Eh bien, le bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Stardew Valley, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà, ça fait trois fois que je recommence cet épisode, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais acheter un bâtiment chez Robin, eh ben, mon jeu plante. Donc, pour le moment, ça a l'air d'être buggé au niveau de Robin. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu coincé pour le moment, donc je peux pas construire de bâtiment. Donc, écoutez, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Donc là, on va aller voir les poulettes et on va aller voir la petite vache, histoire de... attendez, il y a un petit ver de terre, là. Ah, graines en vrac. Ah, on peut avoir des glands comme ça, non. Oh, trop stylé, vous avez vu ça? Ah, je suis en kiff, là. Ah, pas mal. Yes, une racine hivernale. Oh là là, c'est trop l'éclate. Ah, c'est trop l'éclate, les gens. Elle va aller faire la chasse au ver de terre, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que je suis bête pour rester poli. Alors, attendez, on n'a pas tenté. Et ouais, on peut casser les gros cailloux maintenant. Ouais, trop cool. Oh, c'est trop bien. Ouais, bon. Tu pourrais être plus sympa avec moi, quoi. Bon sang. Oh la vache. On va se faire un max de caillasse avec ça. Ça, on pourra faire notre poulailler, là. Ça pourrait être pas mal. Donc, ce qui veut dire, c'est que là, je peux faire une pousse hivernale. J'ai ça, et j'ai ça. Hop. Non, j'ai pas fait le bon truc. Artisanat. Bah. J'ai une racine hivernale, j'ai un feu cristallin. Ah non, il me manque l'igname. Enfin, l'igname, le truc gelé, là. Ah ouais, il me manque un truc. Oh, flûte. Flûte cacahuète. Ah, attendez, 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 attendez. Des graines en vrac, j'en ai d'autres. Je vais le mettre à l'hiver. On tente. Ah, j'ai l'oursin pour la quête des Géminos. On va aller le déposer. Ah, ça pousse à l'été, ça. Ça, je le vends. Allez, ouais, donc je voulais voir mes poulettes au départ. Avant de m'emballer dans l'histoire des glands et tout que je peux avoir au sol. Et après, on va aller voir Madame Robin. Hop, 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 hop. Hop. Salut, bye bye. Ta-ta-la-ta-la-ta-la. Je sais pas si un jour je vais pouvoir faire quelque chose avec elle. A l'air d'aller bien. Bon, elle n'est pas encore super amie avec nous, on va pas se mentir. Bon, en même temps, il n'y a pas longtemps qu'on l'a. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans ou pas, là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Ah, si, ça y est. Un abricot. Une ardisine, framboise. Je crois pas qu'il m'en faut pour les quêtes. Je crois pas. Encore la framboise, c'est sûr. Alors, je vais en faire une confiture. Je sais plus, c'est le... Non, je veux pas la manger. C'est là-dedans? Ok, c'est là-dedans. Donc. Non, on peut pas les mettre. Ok. Donc même à l'hiver, les graines en vrac, on peut pas les mettre. Ok, ça marche. Bah, l'abricot, je vais le mettre en vente. Nardizi aussi. Les œufs aussi. Allez, c'est parti. Donc, on va aller chez Robin. On va aller déposer l'oursin au niveau du centre communal. Et on va aller chez Clint. Ah non, mais je peux pas aller chez Robin, ça plante. Oh là là. C'est galère, ça. Hein.
Alors là, il y a bien les traces de pas. Allez, Jean, je crois que j'ai fait une belle bourde. Hein. Le premier jour, j'aurais dû voir les traces de pas parce que là, je suis dans la mise complète. Ça va me bloquer, je pense, du coup, pour le jeu. Allez, on rentre là-dedans. Voilà, il nous faut un oursin, un chou rouge et une plume de canard. Donc c'est pour ça qu'il me faut ce maxi poulailler. Mais je suis coincée. Et puis ça plante systématiquement, donc ça m'arrange pas. Du coup, je me sens coincée, les gens. C'est problématique. Très problématique. Je sais que j'étais venue ici. En haut. Et voilà, il y avait un verre. Et ça me donne un os. Parce que pour vous dire à quel point je connais par cœur, j'ai dû recommencer 3 fois. Et je vais amener ça à Gunther. Je sais pas ce que ça va faire. Ça va nous finir une quête ou quoi. Mais en tout cas, chez Robin, c'est mort. On peut pas, je peux pas faire de trade avec elle. Pour pouvoir construire quelque chose. Parce que ça plante. Donc j'espère que dans une mise à jour prochaine, ça va être corrigé. Parce que sinon, ça va être un petit peu la galère. Parce que sans Robin, bah, je peux pas avoir mes autres animaux, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Hop. Alors, tu avances? Tu fais quoi, là? Tout, 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 tout. Allez, là. C'est parti. Bouge, bouge, bouge. Hop, 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 hop. On va donner ça à Gunther. On va voir ce que ça va nous faire. Hein. Donner au musée. Yes, on a une récompense. Ah, c'est trop cool. Oh bah d'accord, encore un tableau quoi. Bon bah bye bye. Hein. C'est la déception là. Complète et absolue. Salut toi. Ouvrir géode. Du charbon. Du cuivre. Du fer. Et du fer. Ouais, ok. Ouais. Bon, bah merci. Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, j'avoue là. Donc, là, on va aller voir... Monsieur Willy, histoire d'avoir son pas acheté des appâts. Parce que, bah voilà, il nous manque les appâts pour pouvoir poser nos petites cages. Ah, je suis un peu déception là. Ah, 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 ah. Il y a un verre aussi sur la plage, ok. Tout va bien. Oh, de l'argile. Je suis dégoûtée. Hop. Hop, alors c'est parti. Alors oui, j'espère que je peux lui acheter des appâts. Ah. Encore un livre perdu. Ouais, y a rien d'autre. Allez, c'est parti, on va essayer de voir Willy. Non, là. Hop, hop, hop. Ah, y a rien, hein. Ça, c'est parce qu'il faut que j'augmente ma compétence, je pense. Parce que les flèches, là, elles servent à rien. Ah, je suis déçue. Bon, on a de l'argent. On peut pas trade avec madame Robin. Donc, on est coincé au niveau de Robin. Là, je suis coincé parce que je peux pas acheter d'appât à Willy. Donc, je ne sais pas. C'est problématique. Donc là, j'ai bien jeté l'hameçon, vous avez vu. Là, on va attendre qu'il y ait un petit point d'exclamation au-dessus de sa tête. Et ça a pas marché. Et je... Franchement, dans ce jeu, la pêche, je n'y comprends rien. C'est pas que je ne veux pas, c'est que
Quand je vois le point d'exclamation, ok, je clique. Mais regardez. Non, mais là déjà, elle s'est tournée. Mais d'où tu te tournes? Oh, finesse, ce jeu. Des fois, je n'y comprends rien. Et je fais, je clique, mais il n'y a rien à faire. Elle ne fait rien. Allez, copine, refais-moi un par d'exclamation. Autre test. Bon, là, l'homme saut, il est pas parti bien loin. Bon. Ah, mais là, j'ai eu un varek. Bon. Allez, on a eu un varek. Vous avez vu que c'est la galère. Je sais pas si je dois spam clic ou pas, vous voyez, c'est un peu galère. Non, mais le problème, c'est que si je maintiens le clic, ça va pas. Et si je spam clic, ça va pas non plus. Donc, qu'est-ce que je suis censée faire, bordel, pour avoir le hit? C'est absurde. Je vous le dis, j'y arriverai jamais. C'est pas possible. Je n'y arriverai jamais. Ouais, on a eu un, les amis. Wouhou, concombre de mer. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, écoutez, on va voir. Et on a eu le max. Attention, là. Attention, attention, attention. Je sens bien, là, ça. Ça, c'est peut-être bien, ça. Je vous jure, je me concentre à mort, les gens. C'est horrible. Ouh, on en a eu un. Ouh, un hareng. Bon, bah écoutez, il est 20h10, on va rentrer. Mais vous avez vu, c'est chaud, quoi. Je sais pas comment je vais faire au niveau du montage pour vous montrer ça, mais... Voilà, je vais essayer de vous montrer les moments où j'ai réussi, mais... Enfin, c'est super, super chaud, quoi. Donc, je sais pas, il faut que je m'entraîne, il faut que je vous fasse des ellipses pour pouvoir avancer au niveau de ma compétence de pêche. Même si j'aime pas ça, parce que bah il va falloir que je le fasse. Parce que sinon, bah on va être coincé au niveau des quêtes des Géminos. Et puis, bah on n'aura pas lapin, donc on n'aura pas tout, en fait. Et ça, c'est problématique, parce que j'aimerais bien qu'on puisse avancer sur tout ça, quoi. Alors, on va aller voir là-dedans. Est-ce qu'on peut déposer ce qu'on vient de pêcher? Alors, non. Ici non plus. Ici non plus. Là non plus. Et là non plus. Le hareng, je peux pas le mettre. Ils sont sérieux. Eh, vous auriez pu être sympa avec moi, quoi. Mais non, je veux pas acheter la canne à pêche. Mais... Pourquoi il veut pas m'ouvrir? Ah, voilà. Donc là, non. Ah, il me refaudrait une grenade. Non, il faut pas d'hareng. Ah, la loose. Et ni ça. Bon, bah écoutez, il faut pas ça, bah écoutez, on rentre à la maison. Donc vous avez vu, la pêche, c'est pas du tout évident. Donc ça va être un petit peu la loose, mais il va falloir le faire. Voilà, il n'y a pas le choix. De la pierre, ok. On s'en fiche un peu, mais c'est pas grave. On prend. Ah, une quête. C'est quoi? 25 minerais de cuivre. Ok. Donc, il faut qu'on amène du cuivre à Monsieur Clint. Donc, il faut que j'aille ramasser 25 cuivres.
Ouais, donc il faut que j'aille les collecter carrément. Donc il faut que j'aille à la mine au prochain jour. Donc là, de toute façon, on va aller faire dodo, hein. On n'a pas grand-chose à faire d'autre. Je sais pas si ça aura augmenté un peu notre compétence de pêche ou pas, du coup. J'avoue ne pas savoir, là. Donc je vends ça, je vends ça, je vends ça, parce qu'on s'en balance. Le CD cassé, on le vend aussi. Le cuivre, le fer, je peux le vendre. Le charbon, bon, hop, hop. On met ça à vendre, écoutez, hein. Donc, on va mettre nos appâts, nos casiers là-dedans, parce que pour le moment, bah voilà, on peut rien en faire. Ce qui est dommage, c'est qu'on amasse l'argent, mais pour l'instant, je peux pas trop trade avec... Enfin, je peux pas faire de trucs avec Robin, donc ça m'embête. Ah cool, on peut le mettre au-dessus de notre lit. Ah sympa. Ah du coup, je pousse mon chien. J'adore. Oui, on veut dormir, s'il vous plaît. Bon, alors, notre mission, là, c'est d'aller à la mine, tout simplement, et de ramener les 25 de cuivre à Clint, histoire de faire la quête avec Clint. Et, bah, on va essayer de pêcher de temps en temps, même si j'aime pas trop ça, histoire d'améliorer cette compétence de pêche. Parce que, bah, voilà, quoi, sinon, j'aurais jamais accès aux appâts et on pourra rien faire des casiers, en fait. Donc, c'est un petit peu bête. Hop, donc là on va aller à la mine. On va aller à la mine. Ah, j'ai vu cette truc. Je le veux, merci bien. Et ouais, j'ai 9 omelettes, donc pour aller dans la mine, ça va être bien. Hop, allez, c'est parti. Et cours, 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 Forest. Faut passer au-dessus de chez Robin. Ah, je suis tellement dégoûtée pour le personnage mystère. Et je m'en veux en vrai. C'est qu'un jeu, mais je m'en veux parce qu'au final, c'est à cause de moi que j'ai pas le. J'ai pas la quête. Hop. Hop. On passe là. Ah, il y a un autre truc à ramasser. Ah, ce que c'est que c'est des étoilés. Les étoilés, ça rapporte de la thune, quoi. Bon, on n'est pas en manque de thunes. Le problème, c'est qu'il faudrait que chez Robin, ça arrête de planter. Donc, ça va être un peu compliqué. Le problème, c'est qu'il faut pas que je descende à un niveau trop bas, sinon on n'aura pas de cuivre, non? Bon, tant pis. Allez, on descend au niveau 70 et on verra. À cause du caillou, je peux pas les taper. Ok. Bon. On va casser. Wow. Mais. C'est quoi ce squelette là? Ok. Oh bon, on a quand même du minerai de cuivre, écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a du fer, ok. Ah bah j'ai une sortie. Oh mais il y a des caisses, on va aller casser les caisses. Est-ce que je m'embête à ramasser le fer, franchement? Bah. J'arrive pas à casser la truc qui est là? Sérieux? Je clique pour avoir la pioche là par contre. Ah d'accord, il y avait un caillou juste devant, du coup on n'avait pas accès, ok. Bon, les chauves-souris, je m'en balance de vos têtes. Bonjour, au revoir, salut. Je descends, merci bien. Ah, un autre bignou là. Ils ont l'air costauds quand même là, non? Ou c'est juste moi qui suis naze?
Ah ouais, d'accord. Et là, il m'a pas touché. Ah, oui, yes, il y a des moyens. Il y a des moyens pour pas qu'il me touche. Faut bien viser, faut bien faire le truc. Et là, en fait, là, il était en plein sur moi. Du coup, bah, j'aurais dû reculer. Mais le problème, c'est quand on est en combat, on peut pas reculer comme on veut. Alors. Ah ouais, en fait, ils envoient... Ils envoient leurs os à distance, quoi. Ah la vache. Ils font sacrément mal, hein. Ok, rien de bien. Une sortie, s'il vous plaît. Ah, 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 ah. Des moments, j'y arrive super bien, vous avez vu? Et d'autres moments, je sais pas, c'est plus compliqué. Bon. Ah, il y a la sortie. Mais là-bas, il y a une caisse. Je vais ouvrir la caisse. Ah, bah, il y en a deux. Des carottes souterraines, ouais. Du cuivre. Je suis à combien de cuivres là? 7. Ah, bah, il y a déjà la sortie. Waouh! Ouais, ils font bien mal si on se place pas comme il faut. C'est sacrément tordu. Mais tourne-toi, bon sang. Ah non, mais ils vont m'avoir. Ils vont m'avoir, eux. Ah vache. Ouais, ils sont corsés hein, quand même, eux. Hein. Allez! Hello! T'as pas le droit de te foirer. 4 minerais de cuivre. Hop, hop, on descend. C'est là le but, voilà. C'est le cuivre pour Clint. Et essayer de descendre un petit peu. Tranquillement. Mais ouais, vous voyez que ça va être un peu chaud d'avancer dans le jeu pendant l'hiver. Alors, du slime. Oula, 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 oula. Hello. Ah, bah nickel, on a libéré une sortie. Je veux juste voir s'il n'y a pas des caisses, histoire de pas louper des caisses où je pourrais avoir du cuivre. Bon, il y a un peu de fer, je ramasse, mais bon. J'en ai pas un à fond en ce moment. Lui, je m'en fous. Il n'y a pas de caisse, donc je descends. On va aller au niveau 75. On va avoir notre point de sauvegarde de l'ascenseur. Alors. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. Est-ce que là-bas, il y a des trucs intéressants? Donc là, il va y avoir une chauve-souris. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, donc on est descendu 5 niveaux, donc c'est plutôt bien. Maintenant, on va aller à un niveau où je sais qu'il y aura du cuivre. Parce que j'ai envie d'avoir du cuivre. Sortir de la mine. Donc j'ai été trop haut. Je sais pas à partir de quel étage on a eu du cuivre. Donc,
Alors, est-ce qu'il y a du cuivre? Non? Ah si, là. Alors, attendez. Il m'en faut 25. Il est 18h. On a un petit peu de temps. Non, mais... Oh, mais... Ah, c'est... C'est gavant, des fois. Bon. Ok, donc il n'y a pas de... de sortie. Hop, voilà. Ah, j'avais oublié ces crabes. Yeah. On t'a eu, on t'a eu, on t'a eu, tralalère. Bon. Allez, s'il vous plaît, on veut encore un petit peu de cuivre. Je descends. D'accord. Je me souvenais pas de ça. On mange du slime, là. Je m'en souvenais pas de ça, les gens. L'améthyste, ok. Mais je m'en souviens pas de ça. Ça m'aurait marqué quand même, non? Un univers rempli de slime. Sortir de la mine. Mais j'aimerais bien avoir plus de machin, là, par contre. Je suis à 15. Ouais, c'est bien ça. Non, 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 non. Allez, niveau 20. Yes! Allez, il y a encore du cuivre là-bas. Et yes! C'est bon! On peut se tailler, on est descendu de 5 niveaux, on a les 25 cuivres pour Clint. On est bon! Bon, maintenant, faut qu'on trouve Clint. Faut lui filer. Voilà. Toulou, toulou. Donc, à cette heure-ci, il doit être au saloon. Hop! On aura au moins fait ça de productif dans cet épisode. J'ai l'impression que l'hiver va être très compliqué. Ta-ta-la-ta-la. Alors normalement je tourne mes épisodes d'affilée, mais là je pense que je vais m'arrêter, je vais tourner que deux épisodes. Parce que j'ai envie de pouvoir faire les trucs bien quoi. Donc faut que j'attende une mise à jour. Ok, donc bon, écoutez, on va accepter les quêtes au niveau des poissons parce qu'il va falloir que je pêche, je vais pas avoir le choix. Le saloon il est là, il est là, il est là. Ouais, Clint, il est là. Tu as apporté les minerais que j'ai demandé, merci. Ces minerais ont l'air d'être de bonne qualité, tu peux les garder, bien sûr. Je voulais juste étudier un peu la géologie de la région et voici ton paiement comme promis. Merci. Bye bye. Bon. Alors, on rentre chez nous. Que. Oh si, attends, on va rentrer chez nous. Ah là 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 là. Ouais, donc Hello, elle s'est fait un sacré Hello Fail, je pense, par rapport au personnage mystère. Ça craint. Tenez, on a un petit étang là, nous. Est-ce qu'on peut pêcher dans notre étang? Ce que je me demande. On va tester un truc. Hein. Alors. Est-ce que ça fonctionne?
Toulou, toulou, toulou. Ok, je pêche des déchets, des machins. Parce que le truc, c'est que je peux pas faire d'appât pour l'instant. J'ai pas le truc. Faut que j'arrive à avoir le niveau 1 en pêche, en fait, je pense. Pour réussir à me débloquer. Il se fait tard. Oui, il se fait tard. Mais allez, donne-nous un seul hit. D'accord. Des lunettes cassées, toujours bien. Allez, s'il te plaît. Ça tombe, on peut rien pêcher de bien là-dedans, les gens. Ça tombe. Hein. Ça tombe, c'est moi qui suis en train de faire une lubie pour un truc à la schtroumpf. Hein. Jojo Cola! J'ai pêché un Jojo Cola là-dedans. Mais c'est quoi ce délire? Bon allez, on se taille de là. Ah punaise. Donc, à ça tombe, on peut pas pêcher de poisson là-dedans. Cherchez pas. Hein. C'est moi qui tente. Hein. Hop, on va mettre à vendre ce qu'on peut vendre. Ah, ça nous rapporte quand même de l'énergie et tout. Alors, on vend ça, on vend ça, on vend ça. La métis, je la vends. Ah, le crabe, fait... J'ai eu un crabe. Soit je vends, je vends. Je vends ça, je vends ça, je vends ça. Voilà, on vend des trucs. Ça ne sert à rien de garder tout ça. Ça, je les garde par contre. Le crabe, je vais le garder quand même. Sait-on jamais. Ça va nous servir pour faire nos plantes hivernales. Enfin, nos pousses. Le Jojo Cola, je vais le garder pour. En cas de besoin. Et ben voilà, on va aller dormir, écoutez, et on verra au prochain épisode si j'ai réussi à débloquer le problème avec Robin. Oui! Donc combien on va avoir de sous-sous? Des lunettes ne nous ont rien rapporté. Tristesse. Bon bah voilà, on se laisse là pour cet épisode, hein. On se retrouvera la semaine prochaine pour le suivant. En attendant, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde!